Isabelle, Genvrissoise. Qu'est-ce que je fais à Genvry? Ben, comme tous les Genvrissois, je suis un peu couteau suisse, donc je fais un peu tout. Et pas grand-chose et un peu tout. Voilà. Et toi, tu fais quoi à Genvry? Bonjour Olivier, Genvrissois aussi. Et pas mieux, je fais un peu tout. J'aime bien bricoler, donc ça c'est utile à Genvry. Il en faut. Et pour moi, ce qui compte dans toutes les manifestations, c'est que les gens aient le sourire. Et là, jusqu'ici, ça va, ça sourit dans tous les sens, ça se passe bien. Et c'est cette espèce de chaleur humaine qui compte. Le prétexte, c'est la fête, mais c'est une fête médiévale, mais ça peut être toute autre chose. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que de donner un prétexte aux gens à se retrouver. Vous voyez derrière moi, ils s'assoient, ils boivent un coup et la vie est belle. Ce que fait vivre ce village et à ses habitants et au reste de l'Essonne est juste remarquable. C'est la démonstration, contrairement à tous les sondages qu'on nous fait chaque année, qu'on peut vivre très bien en Île-de-France, qu'on peut être heureux en Île-de-France. Mais c'est également la démonstration que même quand on a moins de moyens dans les collectivités, quand on a envie, quand on le fait avec les gens, on peut faire des choses extraordinaires. Et puis il faut venir profiter, il faut venir apprendre, il faut partager notre passion et puis voilà. Alors, je travaille du cuir, donc c'est toutes sortes de produits qui sont faits à la main dans mon atelier du côté de Rambouillet. Il y a majoritairement là aujourd'hui des dessous de verre, des grimoires, des jeux de dés et des choses comme ça. Donc voilà. Le sel de Genvry, c'est qu'il y a un patrimoine vivant, c'est une ville, c'est un village qui vit. Vous savez, on parle souvent de l'importance de préserver notre patrimoine naturel, notre patrimoine historique. Et c'est important. Mais il y a encore peut-être quelque chose de plus important, c'est de préserver, de faire vivre ce patrimoine qui est lié à la vie de tous les habitants, ce patrimoine que j'appelle vivant.